bika e Yawe fongola lola basali bazunguya Yawe fongola lola makambwe bomana e Yawe fongola lola ye Beta maboko wana makasi Na ngambwa banguna na yo ezo bomo na bakake Lobite lelo e Yawe e Lobite siko yo Bonjour, bien-aimés en Jésus-Christ. C'est l'apôtre Gérard Kabeyachovo de l'Église évangélique de Pentecôte Alpha et Omega. Nous voulons, bien-aimés, passer à la quatrième leçon dans notre émission « Enseignez-moi la parole de Dieu ». Prions. Éternel notre Dieu, merci pour ce moment que nous voulons partager au-devant de toi. Laisse que ton Saint-Esprit puisse nous assister et qu'il puisse encore nous donner force et courage afin que nous puissions savoir mettre ce que nous allons suivre en pratique. Nous chassons sommeil et fatigue au-devant de nous. Nous te déclarons Seigneur. Pendant tout ce temps, au nom de Jésus, parle-nous. Je sais prier. Amen. Quatrième leçon, comment tirer profit de l'étude de la Bible. Des milliers de pages de toutes sortes sont imprimées chaque semaine. Des milliers de nouveaux livres paraissent chaque mois. Cela ne surprendrait pas Salomon qui a dit « On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. » Ecclésiaste, chapitre 12, au verset 14e. Ok, il nous dit ceci. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour les corps. Bien aimé, écrire des livres sur d'autres sujets que sur la sagesse révélée de Dieu ne servirait à augmenter l'inutilité de la réflexion humaine. Awa Salomon Azali copé ce conseil. Awa Azali, dernier conseil à Salomon. Na moi na naïe. Alobi, na o etika ni moi na nangai. Zoua instruction ya makamboyo. Tokosi di sate. Ce que tu dis comme ça là, ébélé ya bamikanda, na ébélé ya étude, na makambo yo ezali fatigue pour nanzoto. Notre thème, c'est comment tirer profit de l'étude de la Bible. En dépit de l'abondance des livres et de l'aide apportée par des ordinateurs, la Bible reste la seule source de révélation et de puissance divine qui puisse soutenir les chrétiens d'aujourd'hui dans leur marche quotidienne avec Dieu. Elle est directement associée à plusieurs promesses. Bien-aimé, tout n'est pas ça va à toute valeur. Yakotanga Biblia. Mais na profit nini, oyo tozali ko tirer na étude oyo. Bien aimé lelo, komona mikanda etondi ya lolenge na lolenge na kat na mokili oyo. Du jour au jour, bato bazali ko koma. Du jour au jour, bato bazali ko koma. Bazali ko koma.
Bamikanda, sur l'amour, sur la paix, sur la joie, sur les choses que nous voyons. Batele kokoma, basije ndenge na ndenge. Batele kokoma mikanda ndenge na ndenge. Bien aimé, c'est que nous savons très bien que Bible et Zélika comme kande à liboso. Bao mikanda batele kokoma na kat na mukilo etonde etonde na batitre moko incroyable. Oh yaba magie, batele kolobe la magie na bango. Ba magicien plutôt, batele kolobe la magie na bango. Oyo ba rose chrétien, bazali koloba rose croix na bango ndenge nini ezali. Ba binza binyonso batrotele kokoma ndenge na bango. Oyo bazali kokumisa bakonzi na bango ya bunganga kisi. Oyo bazali kolobela histoire ya vie na bango. Oyo bazali kolobela histoire ya pays na bango. Oyo bazali kolobela likambo ya pouvoir na bango. Ne tout le monde akabatu mingi lelo na Afrique après le pouvoir babani kokoma ba mikanda. Comme on a vu la fois dernière. Un bien-aimé qui disait bien que pourquoi battre un soldat qui a la carte politique, babane kokoma ba mikanda. Oui, chacun a sa façon de voir des choses. Mais dans tout ce qu'ils écrivent, malgré beaucoup de livres que nous voyons bien-aimés, où ils ont la moutouya, où ils ont copié sa bomoy, où ils ont les livres exceptionnels, ils ont la Biblia. Ya ngonde batu mingi ba yeba kavulere ya Bible te. Batu mingi ba zeli kumpesa yon na makambu ya pamba pamba ime ba yeba kotanga Biblia te. Kretia zoke na eklize sans Bible. Boni. Un militaire ako kene na bitumba. Sans munduki. Jamais. Biblia zeli munduki mobimba o ya kretia. Biblia zeli mukando kretia sengeli kotanga. C'est un livre qu'un chrétien doit avoir. C'est un livre qu'un chrétien doit lire. C'est un livre spécial. C'est un livre spirituel. Tout ce que nous avons sur cette terre, tout ce que nous voulons avoir sur cette terre, bien-aimés, se trouve dans la Bible. La Bible, c'est un livre saint. Un livre puissant. Un livre infaillible. Un livre qui ne change pas. Un livre qui a des succès toutes les années, tous les mois et tous les jours. Bien aimé, il y a plus de temps dans la Bible. Parce que quand je suis dit, je suis dit, Moutomati a quitté, a qu'une magie, a qu'une aboye, naboye, à finir toujours par, côté la chrétien, à finir par, comme on a dit dans la Bible, Pébamik, bah, c'est une valeur, on a puissance. Oh, bah, c'est lui qu'on tirait, en quittant, bloc la bango, pour venir là où nous sommes, et en commençant de lire, à lire la Bible. La parole de Dieu. Mais boni yo moto za katna bonzambe oyebe valeur na Bible. La Bible est la source de la vérité. Elle sanctifie. La Bible est la source de la vérité. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole. Et la vérité, comme Jean 17, 17, ils avaient connu ce livre. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-le par ta vérité, ta parole et la vérité. Il y a un zambé, c'est le solo. Il y a un monde qui est comme ce livre, symbole. Il y a un zambé, c'est une vérité. Il y a comme un symbole. Sanctifié que par la parole. Tant que vous avez la parole. Parole de vous avez révélé ma cambo et bon bama. Le manazam de vous avez conseillé. Monsanto. La Bible est la source de la bénédiction accordée par Dieu lorsque on lui obéit. Et il est répondit. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et qui la garde. Luc 11,
verset 28. Et il est répondu, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Azong si la lobi, et sengo solo, et zana ba yebazeli ko yoke lo bananzambe, pe o bazeli ko bomba yango. Biblie ezali source, ya ma pamboli, o yonzan bazeli ko pesa ba yebazeli ko tosa yango. Biblie ezali source ya ma pamboli, o ya wenzan bazeli ko pesa la ba yonyon so bazeli ko tosa yango. Molingami, yo komi pesa ta toujours kaka. Na miracle, oyo kate kuna bazo sere nani moto moko songolo auti na mboka boy na auti na mboka boy so sera séminaire sur le miracle, sur la guérison, yo wana okay. Mais le bana nzambe pour ko tanga kayangote. Pourquoi vous n'avez pas été coaché le banan zambé dans Missala? Toboïté. Yo komika la motia, kwen de futuk. Babe, oyoki kuna na Belgique, ok. Oyoki na Luxembourg, ok. Oyoki na Paris, ok. Na Congo, ok. Toboïté, si on se tout à l'heure, basan nan zambé, zambé, basan miracle, pe kat na biso. Mais yebe tu le banan zambé, zali. Miracle. Tose le banan zambé. Puisque c'est une source à ma pamboli. Tout ce que le bananzambe tiango na misala, bomba ngo na motema. Bomba commandement na nzambe, celle-là yango bien aimé. Nzile kofonga makamounio se koma clair. Na vie na yo. Tiens le bananzambe na misala, linga nzambe. Celle-là nzambe na sol bien aimé. Pesa nzambe tana ye kat na bomo ina yo. Pesa bomo ina yo. Na mboko na nzambe. Linga liloba tiyango na misa tosa yango. Ele kinyonso bien eme. O nyonso kosengo kozwa. Bomba liloba na nzambe. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 28. La Bible est la source de la victoire. L'épée de l'esprit. Et la parole de Dieu. Au côté en Éphésiens 6, verset 17. Biblia, ils ont une source à victoire. Ils ont une épée, il y a esprit. La parole de Dieu. La parole de Dieu. L'ingol de mon ensemble. Ils ont une source à victoire. Nabitumbanayo. Namakamounyo se tungisakayo. Na onyo suzali kuluka. Mulinga mi ulinga ka loba nzambe te me ulinga ka théâtre. Ulinga ka loba nzambe te me ulinga ka makambo yo ya pamba pamba. Ulinga ka loba nzambe te me ulinga ka ka botongi. Mafingi, macholi. Orkei. Lolendo. Bien aimé. Linga loba nzambe. Ce que l'on a victoire, n'abitumba na oya butumoy, linga loba nzambe, tiango na misala, ezali épée esprit, yango de moutou, et kolong sa yon abitumba nyonso, o ezali koye la yo, tango yo kutiango na misala. La Bible est la source de la croissance. Désirez comme des enfants nouveau-nés, l'élève spirituel et pur. Enfin, que par lui, vous croissiez pour les saluts. 1 Pierre 2, verset 2. Je répète. La Bible est la source de la croissance. Désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et pires. Enfin, que par lui, vous croissiez pour les saluts. 1 Pierre 2, verset 2. Bien-aimé, Sokoling Kokola. Ce qu'on dit Kokole bien-aimé, yebe tes sources, ya Kokole na yo ezali Bible. Linga, yango lokola mwana ou ya abota misika. Ou a lingi komela, mabele ya mouli, ou yo a lingi kota la pure.
oyo azali kokola na kotosa bien aimé linga loba na nzambe lokola mwana ya sika bébé o alingi komela milik loba na nzambe ezali le spirituel oyo osengeli komela mokolo na mokolo po te okola mpe okoma pire soki olingi okola okoma mokolo na molimo biblia ezali lokola milik lele spirituel pour toi oyo okomisa yo mpenza moto ya solo ntango ozali kotanga kuna okososola bamakambo okozosolisio na makambo na yo ntango yo otungisamaki oubien oza kotungisama na susi moko songolo ntango kotanga loba na nzambe na nzambe okoyebisa olobi ne vous inquiétez de rien ntango ozali besoin na mosala biblia mosala ekoyebisa yoke matthieu 7 verset 7 elobi demandez vous recevrez cherchez vous trouverez frappez on vous ouvrira iloba na nzambe ezali clé ezali porte ya bénédiction source même ya bénédiction yango nde bato mibaza kotambola tengu tengu mpo bayebi loba na nzambe te bakanisi ete motu nde moto akopesa elobiko non loba na nzambe kati na yo bonzambe kati na yo nde moto akopesa olobiko nde moto akopesa solution na makambo na yo nde ekopesa yo bana na sterilité oyo mwasi na aza nango oyo oza nango kaka na kati ya eloba na nzambe nde miracle wana ekoya ntango okotanga mokanda koyebisa olobiko moko te na kati na mboka oyo jérusalem akoza sterile moko te epa na nzambe akoza sterile yango nde atindaki abraham adam na eve alobi bokende bokende kobota botondisa mokili me ye atindi adam na eve apa na biso ya liboso po te bakende kotondisa mokili base multiplie eboniboni yo okoza sterile na kati ya kotanga loba na nzambe nde ekorevele makambo oyo ebombama oyo oyebaki te me ye olingaka loba na nzambe te olingaka miracle olingaka kaka raison eye akobela kaka nde mwana na ntango yo oyambi yesu te kati na bomoi na yo mpe olingi kosalela ye te la bible est la source de la puissance car je n'ai point honte de l'évangile c'est la puissance de dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement puis du grec romains 1 16 la bible est la source de la puissance bien aimé ndima ya wenzambe crois sa parole. Il ne faut pas avoir honte de l'évangile. La Bible déclare que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Crois-tu à cela? Oui, Romains 1, verset 16. La Bible est la source qui nous indique la direction à suivre. Oui. Si tu veux avoir une directive dans tout ce que tu fais, la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Oui. Le mananzambe zeni mwinda. Na makolona yo, pe lumière oye ekoeklere yo, na makamouni sto zeni kosal. La parole de Dieu c'est la puissance et est la source qui nous indique la direction à suivre. Mon frère, ma sœur, la direction de ta vie, qui te la montre si ce n'est pas la parole de Dieu? Lingal loba na nzambe. Lingal loba na nzambe celle-là. Okomona makambo ko changer kati na bomoi na yo. Okomona clair. Lingal loba na nzambe salela yango butumoi ezali source ya makambo ebele ya mapamboli kati na bomoi na yo. Comment réagir face à la Bible?
On les a dit sous thème, il y a comment tirer profit de l'étude de la Bible. Alors, les amis, comment réagir face à la Bible? Puisque la Bible est d'une telle importance et qu'elle offre des avantages éternels et incomparables, voici comment réagir vis-à-vis d'elle. Je répète, puisque la Bible est d'une telle importance et qu'elle offre des avantages éternels et incomparables, voici comment réagir vis-à-vis d'elle. Alléluia. Croire à ce qu'elle dit. Il faut croire à ce que la parole de Dieu nous dit. Jean 6, 68, 69. Jean, chapitre 6, verset 68 à 69.